your father. Ah. Voilà, bonsoir à vous. Bonsoir à chacun au nom souverain de Jésus. Désolé pour le téléphone, je ne voulais pas mettre l'écran sur le portrait parce que après ça dérange. Donc, mais là, mon téléphone a accepté parce qu'il m'exigeait de retourner l'écran et moi, je n'étais pas d'accord. Donc, vous savez, c'est la nouvelle année et on veut écouter le Seigneur, non parce que le téléphone dit. On ne peut pas se soumettre aux caprices du téléphone. Alors, ce direct, je le fais parce que 2021 est déjà là. Et pour moi, il n'y a pas de temps à attendre. C'est le travail qui a commencé. Il n'y a même pas de transition. C'est le travail qui a commencé. Nous allons beaucoup travailler cette année 2021. Nous allons atteindre nos objectifs. Quiconque est sage ne va même pas prendre un temps pour se reposer. Ne prendra pas un temps de retraite pour se retirer, se dire « Ok, je dois me donner du repos, un petit répit parce que c'est une nouvelle année. J'ai beaucoup travaillé l'année passée. » Non, nous avons pris un grand retard en 2020. L'année 2020 a été une année très méchante pour plusieurs d'entre nous, très méchante pour nos familles. C'est l'une des années qui nous est endeuillée au plus haut niveau. Une des années qui nous est attristée au plus haut niveau. Sur le plan économique, le monde entier a été affligé. Le gouvernement a été affligé. L'économie du monde, des nations les plus puissantes, comme les États-Unis, a été affectée. Et l'économie de l'Église, nous-mêmes, en tant qu'hommes de Dieu, dans nos ministères, l'Église a été affectée par la pandémie du COVID-19. Donc l'année 2020 n'a pas été une très bonne année dans tous les cas. Il y a eu plus de tristesse, plus de mal que de bien. Je ne vois donc pas la raison pour laquelle cette année, il faudrait se reposer. Pour moi, je n'ai même pas droit à la transition, à une transition, parce qu'il y a tellement de choses à faire cette année. Toute cette nation doit être évangélisée. D'autres nations doivent être évangélisées. La parole de Jésus-Christ doit être prêchée partout où besoin se fera entendre, avec puissance, avec autorité. Alors, nous aurons des émissions en direct. Nous allons rétablir, par exemple, l'émission Gamos avec mon épouse. On aura Gamos. Et ce soir, à partir de 22h, nous aurons... Ah, c'est samedi aujourd'hui. À partir de... C'était quand et quand? C'est jeudi. Jeudi et vendredi. Voilà. Chaque jeudi, chaque vendredi, on va entretenir les frères et les sœurs sur comment développer une relation sentimentale réussie. On va parler de comment réussir dans son foyer. Dans tous les cas, parler de problèmes sentimentaux. Parce que c'est important de bâtir des familles solides cette année. Donc, nous aurons une panoplie d'émissions en direct, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Zoé Channel, que ce soit sur Doulos FM. Nous allons faire beaucoup d'émissions pour pouvoir édifier au maximum le corps du Christ. Et nous aurons aussi des émissions d'enseignement, comme Ultime Solution, qui se passeront à 10h de lundi au vendredi. Pas du lundi au vendredi exactement, il y aura une sorte d'alternance avec l'émission FOSS, qui est une émission éducative de haut niveau. Et toutes ces émissions vous permettront d'être nourris sur le plan spirituel. Le Seigneur m'a mis une parole pour vous. Il faut dire que ce dimanche 3 janvier, c'est le tout premier culte de 2021. Donc manquer ce culte serait un crime contre vous-même, contre votre vie, votre destinée, contre vos enfants. Donc c'est important pour vous d'être présent dans la maison de Dieu. Donc je suis votre pasteur, mon épouse et moi, nous sommes vos bergers que le Seigneur a donnés. Et ça doit être, si nous ne nous reposons pas, vous ne devriez pas vous reposer. C'est important, vous ne devriez pas vous reposer. Vous deviez prendre ces choses-ci très au sérieux. Écoutez, le diable a voulu nous faire beaucoup de mal en 2020, je vous assure. Donc nous sommes en guerre. Considérez que vous êtes en guerre. Considérez que vous n'avez pas de temps. Considérez que vous avez un retard à rattraper. 2020, il y a eu un retard. Sur le plan éducatif, il y a eu un retard. Sur le plan commercial, il y a eu un retard. Certainement, vous avez aussi eu un retard. Je ne pense pas qu'il y ait eu une année où il y a eu autant de licenciements dans les grandes sociétés comme en 2020. Donc, il y a des gens qui ont été licenciés, qui doivent avoir le travail cette année. Cette crise a apporté aussi des déchirements dans certains foyers qui se sont vus se séparer. Donc, ces foyers doivent être restaurés. Dans notre relation avec Dieu, nous avons été affligés d'une manière ou d'une autre. Et cette année, c'est l'année du relèvement d'après la parole que le Seigneur m'a adressée pour son peuple. Alors, je voudrais partager avec vous sur la paternité.
Et surtout, vous appelez à travailler. Ne vous découragez pas. La Bible dit dans Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Ne vous reposez pas. Ne vous donnez pas de répit. S'il vous plaît, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. 2021 n'est pas une année pour se reposer. Ce n'est pas une année à jouer. Ce n'est pas une année à rigoler. C'est une année de travail. Consacrez vos travail. Dès le premier jour, dès maintenant, vous regardez cette émission, s'il vous plaît. Levez-vous, travaillez. Levez-vous et rattrapez les grands retards que vous avez connus en 2020. Maintenant, je voudrais parler sur la paternité. La paternité spirituelle. Nous sommes en train de commencer une année merveilleuse comme celle-ci et il est très important pour moi que le peuple de Dieu, ceux qui croient en notre ministère, qui nous aiment, puissent comprendre les lois de la paternité spirituelle. On ne peut pas fonctionner sans maîtriser ces lois. Je bénis Dieu pour mon épouse, je veux lui dire encore bonne année. Tu es une femme merveilleuse, tu es une femme exceptionnelle, merci toi aussi. Donc, elle est toujours à côté de moi. Donc, c'est une femme extraordinaire, merci que cette année soit une année de grâce. Pour toi, pour moi, pour notre foyer, que Dieu nous accorde la grâce de nous aimer encore davantage et d'être plus soudés encore qu'avant. Voilà. Donc, je souhaite la même chose à tous les foyers qui sont en train de me suivre, qui me suivront après. Que Dieu restaure vos foyers, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous amène dans une autre dimension. Dans tous les cas, c'est l'année du relèvement où Dieu relèvera tout ce que le diable avait détruit et renversé dans nos vies. Maintenant, nous parlons de la paternité. Celui qui dit Amen reçoit sa portion de grâce. Parlons de la paternité spirituelle. Vous savez, la paternité, c'est très important. Lorsque Dieu appelle, il crée Adam et Ève, il leur dit, allez multiplier, remplissez la terre. Et la sujettissez. Aucun enfant n'existait à cette époque-là. Il n'avait pas encore d'enfant. Donc, ça veut dire que les parents vivaient déjà avant l'arrivée des enfants. Et c'est normal. Un enfant vit après ses parents. C'est pour cela que l'enfant, même s'il est grand comment, même s'il devient puissant comment, même s'il devient riche jusqu'à quel point, il ne sera jamais l'aîné de son père ou bien de sa mère. Son père et sa mère ont vu le jour avant lui. À cause de ça, il leur doit du respect. C'est le même principe qui devra s'adopter pour la paternité spirituelle. Maintenant, il y a deux types de paternité qu'il faut que les gens comprennent. Ceux qui écouteront le conseil que je donne, leur vie cette année sera différente. Je vous dis la vérité. Leur vie ne peut pas être la même. Dieu va les amener dans une dimension à laquelle ils ne s'attendent même pas. Parce que c'est le conseil que Dieu m'a donné. Alors écoutez, là, on a la paternité physique ou la paternité charnelle. La paternité charnelle, c'est quoi? C'est que chacun de nous a un géniteur et une génitrice, un géniteur, un père et une mère. Donc chacun de nous est issu d'une relation sexuelle entre un homme et une femme. Et donc ça a donné naissance à ce que nous sommes. Dans cette paternité-là, la Bible dit « Heureux celui qui honore son père et sa mère ». Donc, celui qui honore son père et sa mère sera heureux et Dieu lui donnera de longs jours. Donc, on peut dire quoi? Un enfant qui ne respecte pas son père qui lui a donné naissance ou bien sa mère, alors cet enfant est sous la malédiction. La Bible dit même que maudit soit quiconque maudit le jour de sa naissance. Maudit soit l'enfant qui demande à sa mère « Pourquoi m'as-tu donné naissance ?» Donc, ça montre le sacré qu'il y a autour de la paternité, de la maternité charnelle. Donc mon père est sacré, ma mère est sacrée, et un enfant qui méprise son père ou sa mère est sous la malédiction. C'est dangereux de manquer de respect à son père ou à sa mère. Nos enfants qui sont en Europe, chez les Blancs là-bas, je pense que vous, ce commandement, vous le voyez bafoué tous les jours. C'est cela que ces enfants-là, elles sont comme des zinzins, comme des hircons. Ils grandissent, c'est la drogue, c'est la violence, c'est le grand banditisme, etc. Ils sont toujours en prison. Leur vie n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'ils violent une loi fondamentale divine. Un enfant ne doit pas manquer de respect à son parent. Mais cependant, on voit des enfants qui frappent sur leur père, qui frappent sur leur mère. Et ces enfants, le parent n'a même pas besoin de le maudire. L'enfant est déjà maudit. Un enfant qui insulte son père ou insulte sa mère n'a même pas besoin que sa mère ou son père le maudisse. Il est déjà maudit, juste parce qu'il insulte son père et sa mère. Dans le respect de la filiation, la Bible explique qu'un enfant qui maudit le jour de sa naissance est déjà maudit. Un enfant qui demande à sa mère « Pourquoi même tu m'as donné ça ?» est déjà maudit. Ça montre jusqu'où Dieu a élevé nos parents, jusqu'où Dieu les voit pour sacrés et jusqu'où nous devons les regarder comme des personnes sacrées. Si tu ne respectes pas ton père et ta mère, ta vie sera vouée à l'échec. Dans tous les cas, tu seras malheureux tout au long de ton parcours de pèlerin sur la terre des vivants. Donc, si vos parents vivent encore, honorez-les aujourd'hui. Vous voyez, parfois nous avons l'occasion d'honorer nos parents.
Mais nous ne saisissons pas cette occasion. Et quand ils s'en vont, quand ils meurent, alors nous pleurons, nous regrettons. Disons, ah, si je savais, j'aurais pu faire telle chose. Si je savais, je n'aurais pas parlé de la sorte à mon père ou bien à ma chère maman. Mais cependant, le parent sera déjà parti. Chaque enfant doit savoir qu'un jour son parent s'en ira. Chaque enfant doit être conscient que son père ou sa mère mourra un jour. Et donc, rattraper le temps, honorer son père, honorer sa mère. J'ai souvent rendu le témoignage selon lequel, quand nous venions de nous marier, je dormais avec mon épouse et j'ai fait un songe qui m'a poussé à me réveiller avec brutalité. Et j'ai réveillé mon épouse, j'ai partagé le songe avec elle et nous avons pris une décision. Quel était le rêve? Alors, dans ce rêve, le Seigneur m'est apparu en vision. Le Seigneur m'a donné un ensemble de lois. Il m'a dit, un enfant qui est riche, qui a de l'argent et qui se revêt et dont le parent n'est pas bien revêtu, cet enfant ne peut pas être béni. Il dit, moi l'Éternel, je ne bénirai pas cet enfant. Tout enfant qui mange à satiété, mais dont le parent, le père ou la mère ont encore faim, je ne peux pas bénir cet enfant, moi l'Éternel. Tout enfant qui a un abri et qui a les moyens de mettre à l'abri ses parents, mais qui ne met pas à l'abri ses parents, moi l'Éternel, je ne peux pas bénir cet enfant. Donc le Seigneur a cité un ensemble de choses comme cela. À l'époque, ma mère me demandait un lit. Je lui avais offert un lit. Elle me demandait à nouveau un autre lit. Elle avait fait cadeau de ce lit que je lui avais offert. Et donc, je n'étais pas d'accord avec elle. Je lui disais, non, j'ai offert un lit. Et puis, là, tu m'exiges un autre lit, c'est pas bon. Et donc, je n'avais pas donné le lit. Cette nuit, quand je me réveille, j'ai dit à mon épouse, je lui dis, waouh, ma mère dort sur le matelas. Ta belle-mère dort par terre sur un matelas. On fait comment? Elle m'a dit pardon. Demain matin, enlevons, dévissons notre lit, envoyons-lui le lit et puis nous dormons sur le matelas jusqu'à ce que nous achetions, nous commandions notre lit. C'est ce que nous avons fait. Le matin, nous avons envoyé le lit où maman se trouvait dans sa ville et puis nous, on a appelé un menuisier, on a passé la commande d'un nouveau lit et on nous a fabriqué un autre lit. Pourquoi? Parce que pour Dieu, le parent est très important. L'apôtre Paul a compris ce principe. Et il faut comprendre que la paternité physique et ou charnelle est différente de la paternité spirituelle. Il faut comprendre une chose, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris la différence entre la paternité physique, charnelle, et la paternité spirituelle, ou la filiation charnelle, la filiation spirituelle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans le leadership de l'Église, Dieu a suscité des jeunes. Je prends le cas du Cameroun parce que c'est le cas que je maîtrise le mieux. En ce qui concerne cette action, la Bible dit, c'est par la bouche des petits-enfants et des nourrissons à la mamelle que j'établirai ma gloire. Donc c'est un peu comme si Dieu se suscitait une jeune génération. Et au Cameroun, chez nous, il y a cette effervescence de la jeunesse dans tous les domaines. Quand vous regardez les médecins aujourd'hui, c'est des jeunes personnes. Quand vous regardez dans l'armée, vous verrez des commissaires, vous verrez des lieutenants, des capitaines, des commandants, mais qui sont encore des jeunes gens. Vous demandez à quel âge ils sont allés à l'école. Donc c'est un peu cela. Il y a une sorte d'effervescence autour de la jeunesse ou bien une effervescence juvénile dans ma nation aujourd'hui. Et dans l'Église, c'est la même chose. Il y a une nouvelle génération que Dieu est en train de susciter au Cameroun et dans d'autres nations aussi. C'est un peu comme si le bâton de commandement était passé à la nouvelle génération. Et donc, dans ce moment-là, il y a une sorte de hiatus spirituel. Il y a une sorte de hiatus qui représenterait une sorte de transition spirituelle. Et ce hiatus, si les parents ne maîtrisent pas cela, alors automatiquement, ils auront des problèmes de comprendre ce que c'est que la filiation spirituelle, ou bien la paternité spirituelle, ou bien la famille spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais dire que si vous avez un enfant que vous avez accouché, et que cet enfant devienne pasteur, il devient un homme de Dieu, Dieu l'appelle à son service, et que Dieu en face de lui, un leader, alors cet enfant est votre fils sur le plan charnel, mais vous êtes son fils sur le plan spirituel. Vous voyez, c'est un peu ça que j'appelle le hiatus. C'est là que beaucoup de parents ne comprennent pas. Et ça pose un problème dans le leadership, dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes jeunes. Et on a autour de nous des vieillards. On a autour de nous des papas. Des papas pour qui nous devrons avoir beaucoup de respect, pour qui on doit avoir beaucoup d'égard. Mais cependant, certains de ces papas ou bien de ces mamans ne comprennent pas que dans la paternité spirituelle, ils sont des enfants. Et nous, on est des parents. Mais dans la paternité charnelle, ils sont des parents et nous sommes des enfants. Ça fait qu'il faut savoir respecter, comprendre cette loi-là, ces deux lois, pour ne pas mal les maîtriser en sorte que ça puisse causer des problèmes. Maintenant, comment est-ce que je peux expliquer ça de façon résumée? Quand nous prenons le cas de Jésus, on va prendre le cas de Jésus et d'autres cas. Prenons, par exemple, le cas de Jésus-Christ. Vous remarquerez que quand le Seigneur Jésus-Christ faisait des campagnes d'évangélisation et qu'il était en plein culte en train d'enseigner,
C'est quelqu'un qu'il a beaucoup aimé, c'était sa mère. Et que pendant qu'il enseignait, sa mère arrivait dans la salle avec ses frères et ses sœurs et elle disait, envoyez l'appeler. Et que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il était en train d'enseigner. Alors, qu'est-ce qu'il répondait à sa mère? Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il ne l'a jamais appelé en public, maman, jamais. Il n'y a pas un verset biblique dans les Écritures où Jésus-Christ appelle sa mère maman devant les gens. Non, je suppose qu'il le faisait à la maison. Alors, et quand sa mère venait en public et demandait qu'on l'appelle, le Seigneur Jésus-Christ se levait, regardait sa mère, ses frères et ses sœurs, et se retournait vers la population à laquelle il prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile, et il leur posait la question, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est vous qui écoutez la parole que je suis en train de vous annoncer. » Et se tournait vers sa mère, et lui faisait le reproche, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi tu veux me perturber? Ne sais-tu pas que je dois faire la volonté de mon Père Céleste? » Bon, maintenant, je pense que ça pose un réel problème. Marie, si elle n'était pas la femme qu'elle était, une femme bénie, une femme au grand cœur, une femme qui avait compris le plan de Dieu, qui avait compris que son enfant n'était plus simple, que cet enfant ne lui appartenait plus, mais qu'il était le don de Dieu pour le monde. Il était la lumière de Dieu. Il était Emmanuel, Dieu, venu sous une forme humaine au milieu de nous. Elle avait compris exactement que cet enfant ne m'appartient plus, surtout lorsqu'il est sur la chair, lorsqu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Cet enfant ne m'appartient pas. Il est la propriété exclusive de Dieu. Elle ne s'est pas fâchée. Mais quelqu'un d'autre se serait fâché en disant, non, comment je viens devant les gens, hein? Tu me dis femme, tu m'appelles femme. Tu ne m'appelles pas maman, tu ne m'appelles pas ma mère. Tu me dis femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu me parles avec délinquance juvénile devant les gens. Elle ne s'est jamais plainte. Pourquoi? Parce qu'elle comprenait la loi de la paternité spirituelle. Elle comprenait que Jésus-Christ était son père dans ce domaine-là. Elle était sa mère, mais dans un autre plan, dans un autre univers. Donc, il ne faut pas confondre les univers. Prenons un autre cas. Le Seigneur Jésus-Christ est avec l'apôtre Pierre, qui était son grand-père, en âge, parlant physiquement. Et le Seigneur Jésus-Christ rencontre l'apôtre Pierre, et puis il dit, « Petits enfants, n'avez-vous rien pris ?» Lorsqu'ils ont essayé de pêcher, que rien n'a marché. Il parle à l'apôtre Pierre, il appelle petit enfant. Il appelle tous les autres apôtres petits enfants. Je pense que la plupart de ces apôtres, peut-être à l'exception de l'apôtre Jean, étaient les aînés du Seigneur Jésus-Christ et les parents de Jésus. Mais Jésus les appelle petits-enfants. N'avez-vous rien pris? Et ils répondent, non papa, on n'a rien pris. Voyez, quelqu'un qui ne comprend pas la filiation, la loi de la filiation spirituelle, aurait fait le reproche à Jésus. Comment tu appelles ton grand-père ton fils? Comment tu peux appeler tes aînés petits-enfants? Même pas enfants, jeunes enfants, c'est petits-enfants. Petit-enfant serait dans une certaine connotation péjorative. Mais Jésus-Christ, qui comprenait la loi de la paternité spirituelle, savait qu'il était leur père spirituel. Et eux aussi, qui avaient compris les lois de la paternité spirituelle, comprenaient que Jésus-Christ était leur petit-fils, mais ils n'avaient jamais rappelé à Jésus-Christ que tu es notre petit-fils. Nous sommes entourés parfois de personnes charnelles, des personnes qui ne comprennent pas la place et l'autorité spirituelle que Dieu donne à ses serviteurs. Et puis, ils appellent les visionnaires dans les ministères aujourd'hui, et qu'ils appellent papa. Tu ne peux pas appeler quelqu'un papa et l'appeler en même temps mon fils ou mon petit-fils. Ou c'est ton père ou c'est ton fils, vous voyez. Aujourd'hui, on est entouré de gens qui, de temps en temps, peuvent nous faire asseoir pour dire, non, écoute, j'ai des cheveux blancs sur la tête, tu ne dois pas me parler n'importe comment. Non! Ton pasteur doit te faire des reproches, il doit tirer tes oreilles. Il doit tirer tes oreilles. Mais il y a une règle, il doit tirer tes oreilles. Donc, il faut comprendre cela. Donc, ton père spirituel a une autorité sur toi. Même si tu le dépasses en âge, même si tu peux l'accoucher, Dieu lui-même le savait, mais quand même, Dieu l'a appelé et l'a établi comme ton père spirituel. Alors, un autre jour, le Seigneur Jésus-Christ est avec l'apôtre Pierre. Et puis, l'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, Jésus est en train de raconter à Pierre. Hein, il appelle comme un ami. Il lui dit, ok, écoute, bientôt, moi, je vais mourir et je serai crucifié sur la croix. Et le troisième jour, je ressusciterai. Et l'apôtre Pierre lui répond, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Sans le savoir, l'apôtre Pierre était en train de s'opposer au plan ministériel de Jésus-Christ, vous voyez. Donc parfois, les gens qui nous entourent peuvent s'opposer sincèrement au plan de Dieu dans nos vies. Et si vous n'avez pas les pieds fermes, les pieds sur terre, si vous ne maîtrisez pas le livre de votre vocation spirituelle, alors automatiquement vous serez emporté, vous retrouverez à la dérive. Et Jésus-Christ qui connaissait bien le livre des prophéties qui concernait sa vocation et sa mission, savait qu'il fallait qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour pour que les prophéties à son sujet soient accomplies. Qu'est-ce que Jésus dit à l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors, imaginez-vous aujourd'hui que vous disiez à quelqu'un qui est âgé autour de vous, « Arrière de moi, Satan, il va se fâcher contre vous. » Il dira, « Non, mais écoute, mon ami,
je peux, mon enfant est ton grand frère. Hein? Tu oses me dire, arrête-moi, Satan. Jésus, en le faisant, était-il en train de pécher? Non, il exerçait la plénitude de son autorité en tant que père sur l'apôtre Pierre, qui était sur le plan charnel, son grand-père. Donc, il faut comprendre que même si c'est l'enfant qui est issu de tes entrailles, qui devient un serviteur de Dieu et à qui Dieu a donné le sceptre ministériel, alors il faut lui vouer un grand respect. Parce que là aussi, c'est une loi spirituelle, c'est un autre domaine. Mais cependant, il y a une loi qu'il faut que nous comprenions. Il y a une loi que nous devons comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 4, je pense le verset 15. L'apôtre Paul dit quelque chose, et c'est ça qui m'intéresse ce soir, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Un enfant, un fils qui ne respecte pas son père n'ira pas loin. De même que sur le plan physique, si tu maudis ton père ou ta mère, tu es sous la malédiction. Si tu manques de respect à ton père ou à ta mère, tu es sous la malédiction. De même sur le plan spirituel, tout enfant qui méprise son père est sous la malédiction. Maintenant, il y a deux types de pères. On va le lire tout à l'heure. Il y a deux types de pères. Il y a le père adoptif. Il y a des pères adoptifs et il y a des pères géniteurs. Laissez-moi lire pour que chacun comprenne mieux. L'apôtre Paul dit ceci. Ayant gar murios paidagogos ekete en Christo al ou polus pateras. Vous voyez. Donc, dans ce passage de la Bible, il y a deux types de pères que l'apôtre Paul nous cite. Et je bénis Dieu pour la vie de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un docteur de la parole. C'est un homme qui est loin, qui est dans les profondeurs de Dieu. Un homme qui allait jusqu'au troisième ciel. Hein? Triton Uranon. Il allait jusqu'au troisième ciel. L'apôtre Paul nous parle d'abord d'une première catégorie de pères qu'on appelle en grec paidagogos. Les paidagogos. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les pateras. Donc, on a les paidagogos et les pateras. Il y a les pères spirituels de la classe des paidagogos et il y a les pères spirituels de la classe des pateras. C'est quoi un père paidagogos? L'apôtre Paul leur dit, « Ayant gar murios paidagogos, ekete, quand bien même vous aurez des milliers de paidagogos, de pères paidagogos, en Christo, en Christ, al ou polus pateras, vous n'aurez pas beaucoup de pateras, beaucoup de pères. Pateras veut dire père géniteur. Paidagogos, c'est quoi? Commençons par les pères paidagogos. Parce que chaque enfant spirituel doit connaître quel genre de père il a. On a deux types de pères. On a le père paidagogos et le père patera. Le père paidagogos en grec signifie quoi? Paidagogos. Paidagogos, c'était des esclaves à l'époque qui avaient pour mission d'éduquer des enfants. Leur rôle était d'éduquer des enfants, de donner des instructions aux enfants. Et dans paidagogos, on a pais et dagogos. Pais veut dire un jeune homme qui était sous l'instruction d'un esclave, qui était assigné, affecté à l'éducation de cet enfant, à lui enseigner la discipline, à lui donner des instructions strictes, à l'aider à devenir un vrai homme, à devenir quelqu'un de valeureux dans la société. Donc, c'était des esclaves mis à part pour éduquer des enfants. Donc, ça veut dire quoi? Ceux-ci n'avaient pas donné naissance à ces enfants, mais ils étaient des paidagogos. Ça veut dire que ce n'étaient pas des enseignants en réalité. Parce que le mot paidagogos, a été utilisé deux fois dans le Nouveau Testament. Premièrement, pour parler de l'Ancien Testament, la loi de Moïse. La Bible dit Onomos, Diamauseos, Edote, Kati Aleteia, Kati Karis, Dia, Yesu Christo et Geneto. Dans Jean 1, verset 16, il dit la loi nous a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, ici, la Bible explique que la loi de Moïse était un pédagogue, paidagogos. Pédagogue, ça veut dire paidagogos, dans ce sens-là, signifiait que la loi de Moïse avait apporté les premiers matériaux qui allaient permettre de former l'édifice qui était le vrai édifice qui était la nouvelle alliance avec sa doctrine. Donc, le père paidagogos, c'est un père spirituel, un parent spirituel qui ne t'a pas donné naissance. Il n'a pas souffert les douleurs de l'enfantement. C'est juste une personne, c'est un père adoptif, si vous voulez. C'est un père que vous avez adopté ou bien un père qui vous a adopté. C'est un père qui vous a adopté ou qui a accepté de vous adopter. Et lui, son rôle, c'est de vous encourager, de vous aider dans des instructions, dans la discipline, à ce que vous soyez un homme meilleur. Donc, ça, c'est la première catégorie de père spirituel. Donc, quand vous avez un père spirituel, c'est un paidagogos ou bien un patera. Maintenant, le père patera, c'est le géniteur. C'est celui qui vous donne naissance. C'est celui qui vous a engendré. C'est-à-dire que vous portez en vous ces gènes. Ce sont ces gènes qui vous ont fait.
Ça fait deux catégories de pères spirituels. Et de ces deux catégories de pères spirituels, il faut aussi maîtriser les deux lois qui vont avec les paidagogos et puis avec les patéras. Il faut savoir maîtriser, comprendre, savoir manipuler ces deux lois. Vous ne pouvez pas honorer un père patéra plus qu'un père paidagogos. C'est ça le problème. C'est ce qu'il faut que ces générations comprennent. Or, malheureusement, dans ma nation, au Cameroun aujourd'hui, ce que j'ai remarqué avec la jeune génération, notre génération, et même celle qui vient après nous, nos cadets, c'est que cette loi n'est pas respectée. Et je vous dis la vérité, devant Jésus-Christ qui m'a appelé, si vous ne respectez pas cette loi que je vous donne, vous aurez des problèmes. Un père paidagogus ne saurait être plus honoré qu'un père patera. Celui qui vous a engendré ne peut pas être moins honoré que celui qui n'a pas souffert les douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que l'apôtre Paul défend sa paternité. Il leur dit, vous pouvez avoir beaucoup de pères paidagogus, autant que vous voulez. Allez vous soumettre à n'importe qui. Mais sachez que c'est moi votre patera, ou bien votre pater. C'est-à-dire, c'est moi qui vous ai donné naissance, c'est moi qui vous ai engendré. Sans moi, vous ne seriez pas né. Sans moi, vous ne connaîtriez pas Christ. Sans moi, vous ne serez même pas dans le ministère. C'est moi qui vous ai engendré. Donc, c'est moi à qui vous devriez donner d'abord le respect. C'est moi qui dois jouir de vos bénédictions. C'est moi qui dois profiter de vous, de ce que vous produisez, de votre ministère. Alors, aujourd'hui, la folie, c'est quoi? Il dit, « Engar Christo, Iesu, dia tu euagelio, ego umas egenensa. » Il dit, « En réalité, en Christ, Jésus-Christ, en Christ Jésus, par l'évangile, je vous ai engendré. » Il dit, « Engar Christo, Christo, Iesu. » En vérité, en Christ Jésus, diatou euagelio, par l'évangile ou à travers l'évangile, ego umas egenesa, moi je vous ai engendré. Egenesa, ginomai. Ginomai veut dire engendrer quelqu'un de ses entrailles. Donner naissance à quelqu'un. Partager, donner à quelqu'un les gènes qu'il porte en lui. Donner à quelqu'un l'ADN qu'il porte en lui. De l'apôtre Paul défend sa paternité. Il dit qu'un père pédagogus n'est pas supérieur à un père patera. Et l'apôtre Paul leur explique que moi, je suis patera. Montez, vous descendez. Allez avoir des pères pédagogus partout où vous voulez. Mais sachez que si vous ne m'honorez pas, moi, votre père patera, vous n'aurez pas de bénédiction dans ce que vous faites. Et l'erreur dans ma génération aujourd'hui, c'est justement ça. La jeune génération ne respecte pas les pères pateras à qui l'honneur, la gloire, le respect devraient revenir. Nous courons dans d'autres nations pour adopter des pères paidagogos qui en réalité ne connaissent aucune réalité spirituelle du Cameroun, qui n'ont pas fait de sacrifices pour que le ciel du Cameroun nous soit allégé. Parce qu'il faut comprendre que si aujourd'hui nous faisons cette réalisation au Cameroun, c'est parce qu'on a eu des pères dans l'église du Cameroun qui ont travaillé, qui ont sacrifié leur temps, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié leur sang, qui ont sacrifié leur jeunesse, qui ont tout abandonné, qui ont renoncé à leur travail pour se consacrer à Dieu, pour prier. Oh Dieu, suscite un réveil au Cameroun, suscite parmi nos enfants de jeunes généraux par qui ta gloire sera manifestée. Père Idaouza, par exemple, ne le faisait pas. Le révérend Paul Enenche ne l'a pas fait. Papa David Oyedepo ne l'a pas fait. Il a aussi sa responsabilité. Il a son pays. Son pays pour lequel il prie. Ses larmes coulent sur la terre du Nigeria pour fertiliser le Nigeria sous les pieds des enfants qu'ils ont engendrés et des enfants que d'autres ont engendrés. La même réalité s'impose pour le Cameroun. On a des pères comme Papa Zak Fomoun qui ont pleuré pour cette nation. On a Papa Obake, Papa Ndale, Papa Nestor Tukeya et beaucoup d'autres papas qui ont sacrifié le Papa Abraham Mendogo, Papa Mekoumou, etc., etc. Ils sont très nombreux qui ont jeûné, qui ont sacrifié leur jeunesse pour que nous soyons ce que nous sommes. Ce ne sont pas les larmes de Papa Idaouza qui ont fait du Cameroun ce que le Cameroun est. Nous avons dans un certain sens des pères patera dans ce pays que nous devons honorer. Malheureusement, ma génération abandonne les pères pateras pour aller donner les offrandes aux pères paidagogos à l'étranger qui n'ont rien contribué à ce que tu es. Le sol sur lequel tu marches, c'est le sang de qui l'a fertilisé sous tes pieds.
Le succès que nous avons dans le ministère aujourd'hui, ce sont les prières de qui? Ce sont les jeûnes de qui? Ce sont les retraites organisées par qui? C'est le papa Ndale, c'est le papa Obakir, ce sont ses pères. Ils sont nombreux que nous ne connaissons pas. Ils sont nombreux que nous n'avons même pas cherché à connaître. Ils sont nombreux, nous ne connaissons, nous ne maîtrisons même pas l'histoire des pères de l'église du Cameroun. Mais nous maîtrisons mieux les histoires des pères de l'église au Ghana, l'histoire des pères des églises en Afrique du Sud, l'histoire du Nigeria, je ne sais pas. Nous maîtrisons mieux des États-Unis. Prenez un jeune serviteur de Dieu au Cameroun, moi mais je m'en répands, parce que je suis parmi ceux-là. Je le confesse ouvertement. Et cette année 2021, ça va changer. J'irai chercher les pères pour déposer mes offrandes. Chacun des pères du Cameroun vers qui Dieu m'enverra doit goûter au lait et au miel de mon ministère, doit goûter à la graisse de mon ministère. Parce que c'est grâce à leur sacrifice. Nous maîtrisons mieux l'histoire spirituelle de l'Église d'autres nations que de celle du Cameroun. Prenez un prédicateur camerounais, demandez-lui, surtout de cette génération, demandez-lui de vous parler du Nigeria. Il va vous citer des noms en n'en pas fini. Et demandez-lui de citer les pères du réveil au Cameroun. Vraiment, il ne pourra pas. Il ne s'en sortira pas. Pourquoi? Parce que nous avons mal pris la chose. C'est pour cela que l'apôtre Paul revendiquait sa paternité sur ses fils. Il a dit, vous courez, vous montez, vous parcourez la terre toute entière. J'entends que vous honorez les autres. Vous apportez les offrandes à tel ou à tel ou à tel. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Tu peux honorer Père Paidagogus. Il n'y a pas de problème. Mais il faudra d'abord que tu aies honoré ton Père Patera, qui est à la maison. Donc, nous ne pouvons pas honorer les pères de dehors en méprisant les pères de dedans. Les pères de dehors, s'ils mangent notre argent, ils mangent nos offrandes, parce que nous cherchons leur faveur, je comprends. La réalité, qu'on ne se trompe pas. Vraiment, si je blesse quelqu'un, je m'en excuse. Mais c'est la vérité simple. Pourquoi nous honorons les pères de dehors? Parce qu'ils ont une certaine gloire, ils ont une certaine notoriété, c'est ça que nous voulons. Hein? Parce qu'ils rassemblent tellement de gens, et c'est ça que nous voulons. Parce qu'ils ont une certaine gloire financière, c'est ça que nous voulons. Parce que si nous nous identifions à eux, nous aurons une certaine visibilité. On sera vu, nous aussi. On aura une certaine représentativité ministérielle. Mais cependant, nos pères au Cameroun, eux n'ont pas connu cette gloire. Ils n'ont pas connu cette notoriété matérielle et financière. Ils n'ont pas connu cette notoriété de popularité interplanétaire, à l'exception de quelques-uns. Comme papa Tanefomoun, ou bien comme papa Nessotoukia, ça c'est ceux que je maîtrise le mieux. Donc, à cause de cela, nous abandonnons nos pères parce qu'eux, ils n'ont pas ce genre de gloire que les autres pères des autres nations ont eu. Et puis nous partons bousculer les fils de ces nations-là pour nous faire une place, pour nous faire adopter par eux. Parce que nos parents, eux, ils n'ont pas eu cette grande gloire-là. On n'a pas de papa au Cameroun qui ont été riches comme papa à Déboyé. Qui rassemble des gens comme papa Adeboye qui a plus d'un million de gens dans son église, ou bien papa David Oyedepo qui est richissime, qui a des jets privés, parce que nous, nos pères n'ont pas connu la gloire de la richesse. Alors nous oublions qu'ils ont la gloire de la sainteté, la gloire de la présence de Dieu, la gloire spirituelle. Cette gloire spirituelle qui nous rendra grand et plus grand que papa Adeboye, cette gloire spirituelle qui nous rendra plus grand que et papa Tibi Joshua, ou bien que tous ces papas-là que nous voyons dans d'autres nations. Donc, frères et sœurs camerounais, je parle avec les larmes dans mon cœur. S'il vous plaît, apprenons à honorer nos pères. Donc, il n'y a pas de problème que tu voyages, pas aller déposer une offrande au pied d'un père dans une autre nation. Mais n'oublie pas que dans cette nation-là, il y a des pères. Eux, ils honorent leur père. Tu n'as jamais vu un père du Nigeria venir au Cameroun donner l'offrande à un père camerounais. Sauf si vous avez vu ça, moi je n'ai jamais vu ça depuis que je suis au Cameroun. Vous ne verrez pas un pasteur nigérian quitter avec ses offrandes pour venir donner ça à un papa au Bakir, ou bien papa Ndale, un pasteur nigérian connu d'une certaine renommée. Mais nous au Cameroun, qui avons quand même déjà une certaine renommée, c'est nous qui courons pour aller donner des offrandes à ces pères. Nous sautons la tête de nos pateras pour aller donner ça aux paidagogos. Et il faut dire que en ce moment-là, nous sommes en train d'enfreindre une loi spirituelle qui voudrait que le premier honneur revienne d'abord au père de la maison. Donc je pense que nous devons apprendre à respecter nos parents. Si nous respectons nos parents, alors Dieu nous honorera encore davantage. Les hommes de Dieu au Cameroun devons apprendre à s'aimer dans la vie de nos parents. Prendre, faire des surprises au père. Tu prends quelque chose, tu prends ta voiture, tu remplis la malle arrière, tu viens, tu tords papa, je suis venu dire bonsoir, ou bien je suis venu dire bonjour. On fait des belles surprises comme ça. Tu descends une chèvre là, tu donnes un mouton ici, tu descends les cartons de savon, de riz, etc. Tu déposes. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction, c'est d'honorer d'abord les pères qui ont gardé les portes
de ton pays. Les pères qui, par leur prière, ont fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons cette notoriété. Toi et moi, aujourd'hui, on peut manger. C'est grâce à Papa Ndale, pas à ceux qui sont dehors, qui ne connaissent même pas sur la carte où se trouve le Cameroun. Donc, chers frères et sœurs camerounais, prenons conscience en cette année, s'il vous plaît. 2021 sera une année de relèvement de la part du Dieu des cieux. Mais il faut que nous apprenions à respecter nos parents. Honorons nos parents. Regardez au Nigeria, ces enfants-là honorent leur père. Regardez par exemple le révérend Paul Enenche, comment il honore son père, Papa David Oyedepo. Regardez la soumission qu'ils ont. Regardez le prophète Josué Suleiman, comment il respecte Papa Adeboye. Il faut faire attention. Vous n'avez jamais vu ces fils-là laisser leurs parents au Nigeria pour aller courir après d'autres parents dehors. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais appris ça. Ils ont leur père. Regardez le prophète Bouchiri Shefat avec son papa, Webel Angel. Le gars est là, il est sous son père. Il respecte son père. Les gens respectent les pères de leur nation. Cette folie, je ne l'ai vue qu'au Cameroun. Nous ne respectons pas les pères de notre territoire. Nous ne respectons pas les pères qui font notre nation. Frères camerounais, il est temps de prendre conscience. Le vrai réveil, ce que nous voyons au Cameroun pour le moment, ce n'est pas encore le réveil. Le réveil viendra lorsque cette génération apprendra à donner à ses pères l'honneur qui leur est dû, la place qui leur est due. Pour moi, je me répands devant tous mes pères. Je sais qu'il y a beaucoup de papas au Cameroun. Je ne suis jamais allé vers eux. Ça, je m'en répands. Et je prends l'engagement à partir de cette année, de ce mois de janvier, de visiter les parents de temps en temps. Il y a des parents, Papa Mekoumou, moi je ne pense pas que je l'ai déjà rencontré. Vous voyez, c'est un péché. En réalité, nous enfreignons une loi. C'est une loi que nous enfreignons. Les pères qui sont là, qui croupissent dans la misère, qui croupissent dans la pauvreté, qui n'ont même pas quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir. Pourtant, nous pouvons les vêtir. Leurs prières nous ont enrichis. Leurs cris devant Dieu, leurs sacrifices ont fait de nous ce que nous sommes. Nous prenons ce qui pouvait aussi leur alléger la vie. Ce qui pouvait aussi leur permettre de manger le fruit de leur travail, de leur sacrifice. Mais nous partons déverser ça aux pieds de ceux qui ne nous connaissent même pas, qui ne connaissent même pas bien comment prononcer le nom de notre pays. Je pense que la jeune génération doit se repentir. Nous devons honorer les pères du Cameroun, les pères de l'Église au Cameroun. Honorons-les et nous serons bénis. La Bible dit que l'enfant doit honorer son père et sa mère afin de vivre longtemps. Dans la paternité spirituelle, la même loi est adoptée. La même loi est importante. Un parent, un fils qui honore ses pères, qui est béni de ses pères. Tu apportes un savon, on te dit, sois béni mon fils. Tu te mets à genoux, on te bénit. Frère, c'est ça la porte du vrai réveil. Beaucoup d'entre nous, nous patinons encore dans le ministère. Parce que nous n'avons aucun égard pour nos pères, pour les pères de l'Église au Cameroun. Laissez-moi vous dire ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Regarde ta vie, regarde ton ministère, regarde ta vie spirituelle. Au Cameroun, on a développé une très mauvaise habitude. Nous avons oublié nos pères. On les a jetés à la poubelle. On les a méprisés. Ils n'ont aucune valeur. On ne les respecte en rien. Nous concurrençons même avec eux. Nous parlons parfois avec eux, avec désinvolture, avec mépris, sans aucun respect. Nous ne reconnaissons même pas ce qu'ils ont fait. Parce que nous rassemblons plus d'hommes qu'eux. Parce que nous avons plus d'argent qu'aujourd'hui. Parce qu'on a plus de notoriété qu'eux. Il faut faire attention. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Voudrait mieux finir, commencer bien et finir bien. Et si nous voulons bien finir au Cameroun, honorons nos pères. Si on veut finir bien au Cameroun. Au Cameroun, c'est l'une des rares nations où j'ai vu où les fils, ça veut dire que tu pries sur un enfant, tu le oins. L'enfant devient ce qu'il est. Il commence à t'insulter, te dénigre. Il veut rectifier ta personne. Il veut rectifier. Montrer qu'en fait, tu n'es rien. Que tu ne connais rien. En fait, que ton notion n'est rien. Mais cependant, c'est toi que Dieu a utilisé. C'est toi qui l'as engendré dans le ministère. C'est pour ça que le réveil au Cameroun, beaucoup d'hommes de Dieu ne s'en sortent pas dans le ministère. Parce qu'il y a des lois fondamentales ministérielles que nous ne respectons pas. Nous, les bafouons. Tu ne peux pas prendre ton argent. Le billet d'avion que tu vas payer pour aller au Nigeria, pour aller au Ghana, pour aller en Afrique du Sud, le billet d'avion là, ça peut acheter une voiture à un père de l'église du Cameroun. Le billet d'avion là peut aider qu'on cotise, on construise la maison à un de nos pères ici. On aura plus de bénédictions que lorsque nous partons à l'extérieur. Lorsque tu vas avec ton offrande à l'extérieur pour te soumettre au père, il n'y a pas de problème. Tu as une bénédiction parce que c'est la loi du haut des communs. La Bible dit, oh, communion, prophète, eis, onoma, prophète, miston, prophète, l'emsetai. Si quelqu'un reçoit un prophète parce qu'il croit
que Dieu l'a établi prophète, il n'aura pas l'héritage de ce prophète. Mais cette bénédiction est moindre par rapport à celle d'honorer les pères patéras. Donc, chers enfants dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que cette année, toi tu as voyagé plusieurs fois, tu as porté les offrandes plusieurs fois, tu as donné des centaines de milliers ou bien des millions à ceux de dehors. À combien de nos pères au Cameroun nous avons donné cet argent? Vous savez, il y a une année, je n'ai pas encore compris cette loi-ci, et il y a une année, le Seigneur m'a dit, Ferdinand, tu devras te soumettre à un père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans une vision, le Seigneur m'a amené vers Papa Chris Ngou. Et le Seigneur m'a amené vers lui. Et le Seigneur m'a dit, aucune année ne doit s'achever sans que tu n'ailles vers cet homme. Sans que tu n'ailles vers cet homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la vision, il y avait une cérémonie d'établissement. Une cérémonie où on devrait établir. On était deux hommes de Dieu. J'étais avec un de mes frères, un homme de Dieu aussi. Donc, on devrait nous revêtir d'un manteau. Et moi, j'étais en retard à la cérémonie. Et mon frère avait été revêtu. Alors, quand moi j'arrive, on me dit que non, tu es en retard, la cérémonie est finie. Et il y avait un vieillard dans une salle, c'est lui qui devrait nous revêtir, nous établir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Papa Chris Ngou est venu dans la vision. Il a intercédé pour moi. Et il a dit au vieillard, s'il te plaît, il faut absolument que cet enfant soit oint. Il faut qu'il soit oint. Parce que voici, il a commencé à citer mes sacrifices, mes efforts pour le ministère, pour l'église au Cameroun, etc. Et le vieillard a accepté. On m'a fait entrer dans la cérémonie. Dans la vision, j'avais un petit chapeau d'évêque sur la tête. Et j'avais un manteau qui était un peu comme ma veste, si ça finissait au niveau de mes fesses. Et j'avais un sceptre en main. C'était une petite canne. Donc, c'était tellement petit que je tenais ça en main comme ça. Et alors, ce vieillard a pris un gros manteau qui traînait par terre. Il m'a revêtu de ce manteau. Sur le petit truc que j'avais là, comme les papes mettent là, les évêques mettent ça, un petit chapeau comme ça qui ne couvre pas toute la tête là. Il a pris un long chapeau. Il a mis sur ma tête. Long! Le chapeau d'évêque là. Il a mis ça sur ma tête. Et à la place du petit truc que je tenais en main, il m'a donné une longue canne, comme celle des évêques, des papes là, en or. Je tenais ça en main. Et il a versé l'huile sur ma tête. Il m'a dit, va. Depuis ce jour, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Cette année-là, Dieu m'a dit, tu vas faire deux choses avant le 1er janvier. Un, tu retournes à l'école biblique à Côte-Op, au séminaire théologie des assemblées de Dieu, où j'étais formé pendant 2 ans. Va te prosterner devant ma face. Deux, tu vas, une année ne finit pas sans que tu ne sois allé chez Papa Chris Ngou, qui est ton père désormais, pour lui donner l'offrande de ton ministère pour la fin d'année, l'offrande de fin d'année. Et que tu te mettes à genoux, qu'il te bénisse pour la nouvelle année. Depuis ce temps, cette année, je suis parti à Mbanga, à Côte-Op, à l'école biblique, selon la parole que l'Éternel, mon Seigneur, m'avait adressée. Je me suis prosterné face contre terre. Tu étais avec moi l'année-là. J'étais avec mon épouse. Nous sommes allés. Je me suis prosterné avec elle, devant l'Éternel, mon Dieu. Parce que c'est là que le Seigneur m'a formé pendant 2 ans. Je bénis Dieu pour cette école, qui est une école exceptionnelle, qui fait un travail merveilleux au Cameroun. Et je vous encouragerai de faire un tour là-bas. Et donc, quand je suis rentré, je suis allé voir Papa Chris. Et j'ai donné mon offrande, je me suis mis à genoux et il m'a imposé les mains. C'est le seul père, le seul homme qui met la main sur ma tête, qui a mis la main sur ma tête jusqu'à aujourd'hui. Donc, pourquoi? Parce que Dieu a compris. Et il y a aussi Papa Mendogo, Papa Abraham Mendogo, qui est aussi un homme extraordinaire, avec qui j'ai eu une grande relation, une relation de père à fils, quelqu'un de bien. Et j'ai dit à quelqu'un que c'est grâce à lui que j'ai construit ma maison. C'est lui qui m'a donné la sagesse de construire la maison. De ces hommes, je me repens. Ça fait quelque temps, je ne suis plus allé chez lui. C'est un problème. Je ne suis plus jamais allé chez lui. C'est un problème. Nous sommes là. Il y a nos parents. Et je pense que je vais retourner là-bas. Par la grâce de Dieu, je vais aller demander pardon. Et je vais être un bon fils pour mes pères au Cameroun. Il y a un papa Mekomo, je ne suis jamais allé chez lui. Je dois y aller. C'est aussi quelque part de l'orgueil de notre part. C'est quelque part de la suffisance de notre part. Parfois, nous pensons que nous sommes arrivés. Nous pensons qu'on a fait. Nous pensons, cette notoriété, le problème n'est pas d'avoir la notoriété aujourd'hui. Le problème, c'est demain sera comment. Parce qu'au Cameroun, vous savez, ils sont rares. Ceux qui commencent le ministère et qui l'achèvent bien. Ceux qui commencent bien, qui finissent bien.
Parce que parfois, tu ne sais pas comment demain sera. Vous voyez, donc, il faut faire attention. Notre génération, je vous exhorte, quand je m'exhorte, moi-même, je suis le premier coupable dans cette affaire. Donc, je ne m'exclus pas en parlant. Moi aussi, j'ai commis cette erreur et je m'en répands. Voici une année nouvelle. Prenons conscience et rectifions nos erreurs. Soyons de bons enfants pour nos enfants. Mettons nos pères en haut. Parfois, nos parents, ils n'ont même pas quoi manger, frère. Je vous dis la vérité. C'est ça, la vérité devant Dieu. Parfois, ils n'ont pas de quoi envoyer les enfants à l'école. Pourtant, ils ont servi dans cette nation. Ils ont travaillé pour que l'Église soit comme elle est aujourd'hui. Pour que l'Évangile puisse avoir la puissance et la place qu'il a dans notre nation aujourd'hui. Ils ont travaillé, ils ont brisé certaines fondations, ils ont renversé certaines forteresses. Et nous sommes venus, on a trouvé ces forteresses déjà dans un état cadavérique, fantomique, fantasmagorique. Et nous avons juste pris le relais et nous sommes lancés. On a oublié qu'il y a eu des généraux. Nous ne reconnaissons pas nos pères comme des généraux. Nous citons des généraux d'hier. Regardez tout simplement quelque chose. Quand vous regardez les jeunes de ces générations et que dans leur bureau, par exemple, il y a des calendriers avec des généraux de Dieu, il est rare que vous voyez papa Obakien ou papa Ndali ou papa Zach parmi, dans les photos là, dans nos bureaux. Non, j'ai dit vérifier. Peut-être tu as fait des photos des généraux dans ton bureau. Vérifie. La plupart d'entre nous, je vous dis la vérité. Normalement, les généraux dans nos bureaux, ça va être papa Zach Fomoun, ça va être papa Obakien, ça va être papa Ndali, etc. Célébrons ceux qui furent nos généraux. Célébrons, il y a un adage latin qui dit « Sangre martyrum semen ecclesia ». Ça signifie en latin pardon, le sang des martyrs et la sémence de l'Église. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un mourait, donnait son sang, un martyr était assassiné à cause de sa foi en Christ, on disait que ce sang-là était une sémence qui produisait 1000 conversions à Christ. Vous voyez, 1000 personnes étaient appelées au Seigneur à cause d'une personne qui mourait et dont son sang était une sémence qui appelait d'autres personnes à devenir chrétiennes. Donc, il faut comprendre que ce sang de nos pères est sacré. Respectons-les. Nous ne célébrons pas nos pères. Nous ne les célébrons pas. Au contraire, je pense, je ne veux pas me mettre à la place de nos pères parce que je sais qu'ils sont frustrés. Ils sont frustrés, ils sont déçus par notre comportement, par mon comportement, peut-être par ton comportement. Alors, il est temps d'honorer nos pères. Moi, cette année, je veux la consacrer à honorer mes pères. Je veux voyager. Je veux qu'on me parle des pères de l'Église. Si quelqu'un peut m'aider, qu'il m'écrive sur ma page Messenger. J'entrerai en contact avec lui, quelqu'un qui connaît les pères de l'Église au Cameroun, les pères les plus négligés. Moi, je vais faire un documentaire pour les honorer. Je me déplacerai, je vous dis la vérité. Même s'ils sont où, je prendrai ma voiture avec mon équipe. Nous irons là-bas, on fera un documentaire, on va s'engager, on va mettre leur liste, on va faire toute une liste. Et si vous savez que la femme, maman, c'est maman Ndale de Lemek, de Lemek, non, ici à Lemek. Et vous savez que maman Ndale, à un certain moment, n'avait pas quoi manger. Elle n'avait pas quoi manger. Je vous dis la vérité. Ça fait mal. Elle n'avait pas quoi manger. Elle ne s'en sortait pas. Elle ne s'en sortait pas. Comment expliquer qu'une maman comme celle-ci, la femme d'un général, ait fini sa vie dans la misère? Tandis que nous sommes là, frère, accourus dans d'autres nations, nous prosterner, nous plier en Dieu devant les épouses des généraux d'autres nations pour les honorer, il faut faire attention. La femme, j'ai appris que Maman Zach, après la mort de son mari, elle-même, traverse des moments compliqués. Traverse des moments compliqués, frère. Pourtant, l'évangile de Papa Zach Fomou nous a touchés, nous tous. Nous tous, on a été touchés. On a été révolutionnés. Quand il était vivant, j'assistais à ce programme, la CMCI. Même à Bankim, j'étais pasteur. Là-bas, j'ai remplacé le pasteur qui était là-bas, même à l'église de Magba, en tant que pasteur, pour un certain temps. Son évangile à Tinga et Lobi, si je partais à la convention, au programme des jeunes dans certaines des églises là-bas, c'était des moments extraordinaires. Ici, à Ngousso, j'assistais parfois au culte avec la femme maman Yomi Madeleine. C'était des moments extraordinaires. Qui dira qu'il n'a pas été impacté par leur évangile? Mais d'où vient-il aujourd'hui que sa femme souffre, tandis qu'on a des jeunes qui sont bénis au Cameroun? Frère, et si nous regardons la liste, vous trouverez qu'il y a beaucoup de nos mamans dont les maris qui, naguère, furent nos pères et qui sont morts, sont en train de souffrir aujourd'hui. Je veux plaider, s'il vous plaît. Si vous connaissez de telles mamans, je voudrais m'engager. On a papa Bolion qui est parti. C'est un père, c'est un général. Et sa femme, je veux me repentir en public. Sa femme était venue me voir, mais après cela, je l'ai perdue de vue. Je n'ai pas pris soin d'elle comme cela se devait. Et puis, je ne sais pas où elle est. Si quelqu'un a son numéro, s'il vous plaît, je veux la rencontrer. Je voudrais me repentir et je voudrais faire ce qui doit être fait. Donc si quelqu'un connaît
pourrait m'aider à entrer en contact avec le père de l'église du Cameroun que je ne connais pas, s'il vous plaît, écrivez-moi sur Messenger dès maintenant. Si quelqu'un connaît une des mamans de nos généraux, de nos papas, qui est mort et qui est en train de souffrir avec les enfants, s'il vous plaît, je veux porter cette responsabilité devant Dieu. Je sais qu'il est important, que nous maîtrisions la biographie des pères de l'église du Cameroun. Pour ma part, c'est mon engagement pour 2021 et pour vous, je ne sais pas sur quelle base vous commencerez cette année. Je vais finir en disant à tous nos enfants que le culte du 3 janvier aura lieu à partir de 8h à la Bire en Kouaban. Ne manquez pas. C'est un culte de consécration des familles. On va bénir ta famille pour poser la fondation de l'année 2021. S'il te plaît, ne manque pas. C'est aussi utile et important que le dernier culte. Alors, s'il vous plaît, ne manquez pas. Les bus seront disponibles pour tous ceux qui sont à Odja, il y aura un bus. Pour ceux qui sont à Hala, il y aura un bus. Pour ceux qui sont à Bankolo, il y aura un bus. Pour ceux qui sont à Mendon, il y aura deux bus. Pour ceux qui sont à Kozoa, il y aura deux bus. Et pour ceux qui sont à Soa, il y aura deux bus. Que Dieu vous aide et qu'il m'aide à prendre soin de nos pères. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous retrouverai dans de futures émissions. Et surtout, encore sur cette plateforme. Nous vous aimons, mon épouse et moi. Et encore, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonne année. Shalom, shalom, shalom.